Je sais que vous devez être très affamées. C'est pour ça que j'ai préparé ce repas spécial pour vous toutes. Je sais que vous aimerez ça. Oh, oui, on a vraiment, vraiment faim. Qu'est-ce que tu racontes? Surtout moi. Alors, venez manger avec moi, mes amis. Venez, venez. Non, Eberine, ne touche pas à ce repas. Venez manger, mes amis. Ne touche pas à ce repas. C'est la forêt maléfique. Je vais manger. Je vais manger. Comment peux-tu me dire de ne pas manger une nourriture que j'ai vue de mes propres yeux? Si t'as pas faim, alors moi j'ai très 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 faim dans cette forêt maudite. Et je vais manger. Eberine. Oh. Hey. Oh. On t'a bien dit de ne pas manger ce repas, que c'est un repas spirituel, mais tu n'as pas accepté. Même moi qui aime la nourriture, je me contrôle dans cette forêt. Mais toi, tu as mangé. Pas de problème. Le mauvais esprit t'a dit, viens manger la nourriture. Viens manger la nourriture, tu as mangé, voilà, maintenant tu as disparu et tu es morte. Pas de problème. Les filles, écoutez-moi. Eberine est morte et n'est plus parmi nous. Aucune quantité de larmes ne pourra la ramener du séjour des morts. Donc, nous devons continuer notre voyage. Nous devons tous être fortes. Tu nous dis d'être fortes. On veut être fortes, mais nous sommes faibles maintenant. Désinée. Eberine qui a mangé cette nourriture n'avait pas raison. Laisse-moi tranquille. Elle avait complètement tort. Maintenant, voilà les conséquences. N'est-ce pas? Mais les goûts s'y étaient bons. Ça avait quand même l'air bon. Tu n'as pas mangé. Obiezé. Oh non. J'étais en train de venir chez toi. Mais Dieu merci que tu es là. Oh non. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Obiezé. Je commence à être d'accord avec ce que tu m'as dit dernièrement. Obiezé. Concernant le voyage de nos filles. Aujourd'hui, ça fera 3 jours. Et nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle. Mes aînés, je vous salue. Oui. Bonjour, comment tu vas? Bonjour. Nous n'avons aucune nouvelle d'elle. Oh, je te l'avais dit. Mais tu m'as dit que tout irait bien pour elle. Je suis content que tu as commencé à ressentir la même chose. Bien, ne continuons pas à partager les blâmes et de parler encore du passé. Allez, oublions tout ça. Qu'est-ce que tu proposes pour Donald? Oh non, si tu veux mon avis, tu dois convoquer une réunion pour tous les anciens. Et nous allons trouver une solution ensemble. Et dans la mesure du possible, on ira voir la prêtresse. Elle seule pourra nous dire si nos filles sont toujours en vie ou si ce n'est plus le cas. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu as raison. Merci. Obiezé, tu as raison. Puissions-nous le faire ainsi? Oui, je pense que c'est la meilleure chose. Parce que ça devient déjà autre chose. Je comprends. Ça prend beaucoup de temps et nous n'avons pas de nouvelles de... Je veux dire... Oh, ok, avant ça... Je voulais te dire que est-ce que tu sais que c'est... Oh non, ou en personne? Oh, oui. Oh non, ou en personne? Oui, on fait comme ça. Ah ouais. C'est d'accord.
Majesté? Majesté, vous allez bien? Votre Majesté! Hé, hey, à l'aide! Mon prince? Mon prince! Mon frère, je suis fatigué. Où ne l'avons-nous pas emmené? Bien sûr, elle vient de rentrer de la République d'Inde. Et jusqu'à présent, on ne lui a rien diagnostiqué. C'est quel genre de problème, ça? Écoute, mon prince, si tu... Mon prince, je te rappelle. Mon prince. Qu'est-ce qu'il y a? La reine. La reine? Oui, mon prince. Qu'y a-t-il? Je l'ai vu tourner. Tu as vu qui tourner? La reine? Maman! Maman! Mère! Mère! Est-ce que ça va? Tu m'as dit qu'elle s'était retournée! Mon prince, tu l'as vu tourner! Tu l'as vu se retourner? Pourquoi n'arrive-t-elle plus à se retourner? Mon prince! Maman, parle-moi! Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Comment pourrais-je le savoir? Si je le savais, je ne serais pas ici dans cette forêt. Quel beau garçon! Tu aimes trop les hommes! Tu aimes trop les hommes! Ah, Ouri, reste tranquille, il n'est pas réel. Toujours les hommes! Toi. Qu'est-ce que tu as avec les hommes? Ouréma! Toujours les hommes! Ouréma! Il n'est pas réel, alors tu restes assise là. Il n'est pas réel. Ouréma. Ouréma, où est-ce que tu vas? Ouré. Ouré. Où est ce bel homme? Ouré, il n'est pas réel. Il n'est pas réel. Il t'a demandé ça? Ezine, retiens-la. Ouréma, il n'est pas réel. Laisse-le. Retiens-la. Ouréma, reviens ici. Ouréma. Retiens-la. Ouréma, viens. Ne va pas là-bas. Viens, viens. Ouréma. Hey, pas encore. On lui a dit qu'il n'était pas réel. Voilà qu'elle est partie maintenant. Vous n'entendez pas son nom? Ouréma. Elle était là, elle a suivi l'homme, elle est partie. Ouréma. Vous n'entendez pas son nom? Vous n'entendez pas son nom? Ouréma. Ouréma. Le gars était même beau. Un gars qui est jaune. Il n'a même pas de muscles. La barbe, il n'avait pas. Juste jaune comme la papaye. Avec plein de cheveux sur la tête. Un laid garçon. Un laid garçon. Ouréma. Quelle beauté même. Un laid garçon comme Jésus avec plein de cheveux sur la tête. Ouréma. Ouréma. Elle a suivi l'homme, elle est morte. Ouréma. Un laid garçon même. D'abord, c'était Ihoma. Puis, Ebere. Maintenant, Ouréma. Qui sera la prochaine? Ce sera toi. Moi? Pourquoi ça serait moi? Comment ça, moi? Pourquoi pleures-tu alors? Pourquoi ça serait moi? C'est parce qu'en pleurant, tu demandes qui sera la prochaine. Ce sera toi. Tout bien. Mm-hmm. Tu sais ce qui a dérangé Ouréma et Ebere et l'autre, hein? Elles viennent en brousse chercher les hommes.
On trouve les hommes dans la forêt. Tu parles là comme si ça n'allait pas t'arriver si on ne t'avait pas retenu. Je n'ai pas d'homme. Mais je ne cherche pas d'homme. La même chose t'est aussi arrivée, non? Regardez là. Comme tu me vois là maintenant, hein? Je veux rentrer à la maison. La quête est finie. Vous, s'il vous plaît, si quelqu'un connaît la route, qu'elle me montre, je rentre chez moi. Écoutez les filles, nous sommes arrivés à un point de non-retour. On ne rentre pas au village. Qu'est-ce que tu as dit? On doit aller de l'avant. Aller de quel avant? Écoutez-la. Écoutez ce que celle qui se prend pour notre leader raconte. Écoute les conseils que tu et me donnes. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, oui, elle a raison. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Et qu'est-ce que tu voulais que je dise? Tais-toi. Oui, tu es juste là à dire oui. Qu'est-ce que tu racontes là? Membre des huit. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Elle pleure comme un bébé. Est-ce que tu sais que si tu vas avec ces pleurs au deuil de quelqu'un, on va te payer là-bas? Ne t'occupe pas. Tu pourras aller pleurer au deuil des gens. Tu es là à gaspiller. Laissez-la tranquille. Laissez-la respirer. Pourquoi lui donner l'espace? L'espace de quoi? Prends ton espace pour pleurer. Arrête tes pleurs. Regardez les pas de quelqu'un. Ah, mais voilà ça, non? Hey, ça doit être les... Mm-hmm. C'est toi qui les as mis là? Peut-être qu'ils sont venus nous montrer la route à suivre. Oui, suivons-les. Oui, oui. Allons-y. Allez où? On ne va pas les suivre. Pourquoi? On ne va pas les suivre. Ezené. Hein? Oui. Allons-y. Ok. Suivons ces traces de pas. Viens avec moi. Betty, Chenwe, venez avec moi. Écoutez, je ne veux plus pleurer pour une autre personne. C'est toi qui vas pleurer. On va pleurer pour toi. On va suivre ces traces de pas. J'ai déjà assez pleuré. Je ne veux plus pleurer pour quelqu'un d'autre. Les filles, suivez-nous. Suivez-nous. Ah. À suivre-les. À suivre les pas de quelqu'un. Vous ne savez pas à qui appartiennent les pas, mais vous les suivez. Si c'est à la morgue qu'il part maintenant, vous ne savez pas. Hein? C'est quelle façon ça? On demande de suivre la personne qui connaît la route. Vous suivez un inconnu. Betty, attends-moi. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. Attends. Hé! Hey. Oui, suivons ce chemin. Ça nous conduira où il y a la fumée. Quelle fumée? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on doit savoir d'où cette fumée sort. Il est évident que les gens y vivent. Oui. Ils peuvent nous aider d'une façon ou d'une autre. Exactement. Suivons ce chemin. Mm-hmm. Il nous conduira là-bas. Stéphanie, combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas parler si je n'ai pas encore parlé? Tu es stupide ou quoi? C'est toi la stupide ici. Pourquoi cries-tu comme un chien enragé? C'est toi enragé? La stupide. Ne me dis plus que je suis stupide. Chien enragé. C'est toi le chien enragé. Un chien enragé. C'est toi le chien enragé. Arrêtez ça immédiatement. Mm-hmm. Mets-la en garde. Qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Tout le temps vous querellez. N'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Stupide. N'importe quoi. C'est quoi ce genre de bêtises? Chinwe, et où est-ce que tu vas comme ça? Chinwe, s'il te plaît, reviens. Reviens et on suit ce chemin. Chinwe, reviens ici. Je vois que qui a parlé, qui parlera. Vous dérange toutes les deux. Parlez-moi, je m'en vais. Chinwe, s'il te plaît, prenons ce chemin. Tu vois ce que tu as causé? Ferme-la. Si quelque chose arrive à cette fille, tu seras tenue pour responsable. Qu'est-ce que tu vas faire? Les mauvais esprits détestent le bruit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Foutaise. Idiote. Bêtise. Imbécile. Foutaise. Salope. De vous, voilà tes voix qui sont bas. Elle en train de partir. Chinwe, s'il te plaît, reviens. Que veux-tu dire? Que voulez-vous dire parfois? Chinwe, reviens. Chinwe, s'il te plaît, viens, suivons cette route. Et ne me dis pas ça. Toi, je vais te montrer. Je vais te montrer.
Je vais te montrer. Stéphanie. Tu vas écoper. Stéphanie. Tu vas écoper. Stéphanie. Fiche-moi le camp. Allons-y. Allez. Chinwe. Chinwe, attends, attends-moi. Chinwe. Avançons, avançons. Tous ces petits endroits, on ne peut même pas imaginer trouver la bague ici. Steph, attends. Quelque chose me dit que nous sommes sur le mauvais chemin. Que veux-tu dire? Je le ressens. Je le ressens de façon très intense. Même le climat est d'accord avec nous. Tu n'entends pas le tonnerre? C'est un signe. Ne continuons pas. S'il te plaît. Ezine. Ezine, il n'y a rien à craindre ici. Ce n'est que la nature. Il veut simplement pleuvoir. Non, non, non. C'est plus que ça. Steph, je peux le ressentir. Écoute, écoute, Ezine, je ne peux pas rentrer comme ça, oh. Je vais de l'avant, allons-y. Steph, je sais ce que je ressens. Je sais ce que je ressens maintenant. Ezine, ne me fatigue pas. Arrête ça. Allons chercher la bague et quittons d'ici. Hey. Allons-y. Tu me parles de tonnerre. Le tonnerre ne me fait pas peur. Steph. Le tonnerre ne me fait pas peur. Allons-y. Chinwe, attends. Ne penses-tu pas qu'on devrait rejoindre Steph et Ezine? Quelque chose me dit qu'elles sont sur le bon chemin. Donc si quelqu'un te dit maintenant de prendre leur chemin, tu vas y aller? Vas-y alors. Après tout, nous sommes presque toutes mortes. Oui, parce que comme tu me vois là, je n'ai plus de pression. Je m'en fiche, la mort c'est la mort. Alors si tu veux aller les retrouver, bon voyage. Chinwe, cesse de parler comme ça. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Cesse de parler comme ça. Écoute, tu sais ce qui m'arrive? C'est la famine qui me dérange. Je t'assure que c'est grave. J'ai besoin d'un bon repas et d'eau. Tu m'entends? Tu vois quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Tu as mal aux yeux? Tu ne vois pas la fumée? C'est la fumée. Ok. Tu regardes. Moi, je vais aller voir qui fait cette fumée. Toi, reste. Chinwe, hein? Où vas-tu? Je vais regarder la fumée. Peut-être qu'il y a une marmite au feu. Tu as peur de quoi? Chinwe, reviens ici. Ne va nulle part, oh. Ne va nulle Moi? Part. Je suis déjà partie. Hey. Comme tu me vois là, c'est le chemin de cette fumée que je suis. Chinwe, où vas-tu? Tu ne vois pas la fumée? Hein? Tu me demandes. Si tu veux, tu me suis. Moi, je suis le chemin de la nourriture. Chinwe, ce repas doit être bon. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens ici, où est-ce que tu vas? Venir faire quoi? Chinwe, attends, tu me laisses ici? Chinwe, attends-moi.
Qu'y a-t-il? Hein? Hein? Je suis fatiguée. Et c'est fatiguée, on t'a forcé à venir ici? Hein? Pardon, continuons notre route. Non, je veux me reposer. Mon corps est faible. Ezine, non, ne fais pas ça. Continuons le voyage, on peut marcher et trouver là-bas quelque part. C'est la mort qui va me trouver ici, alors tu calmes. Ezine. Oui. Ah! Moi aussi, je suis fatiguée. Hey. On ne peut pas trouver la bague dans cet état. Maintenant, tu es d'accord avec moi. Reposons-nous d'abord. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Hey, mon dos. Hey, Steph! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Steph! Ah. Steph. Ah. Aide-moi! Aide-moi! Viens, on y va. Hey! Viens, on y va. Hey! Chinwe, fais attention. Ah. Chinwe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu? Entendre quoi? Qu'est-ce que je dois entendre? Je t'ai dit qu'elle n'allait pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On doit aller les aider. Aider qui? Va les aider. Chinwe. Betty, va les aider. Comme tu me vois là, je reste ici. Je ne vais nulle part. Allons les aider. Vas-y. Chinwe. Betty, vas-y. Aidons-les. Avec le dos qui me fait mal. J'ai entendu vos voix. Betty, nous avons couru un grand danger. Sans l'aide des dieux, nous serions mortes. Hey. Ezine, écoute, on n'a pas le temps pour ça. On doit partir d'ici tout de suite. Oui. Allez, allez, fais un effort. Lève-toi. Lève-toi. Allons-y. Lève-toi. Allons-y. Ça va aller. Allons-y. Va aller. Allons-y. Elle est quelque part là-bas, elle nous attend. Allons-y, on n'a pas le temps. Allons-y. Chinwe. Je l'ai laissée ici. Elle était juste là avant que je ne parte. Betty, tu as réussi à tuer Chinwe? Hey! Hey! Comment oses-tu m'accuser d'avoir tué Chinwe? Comment oses-tu? Tu ne l'as pas tuée alors. Où est-elle? Steph a raison. Si tu ne l'as pas tuée, alors où est-ce qu'elle est? Ezine. Oui? Même toi? Oui. Oui. Tu me connais et tu sais que je ne sais pas faire semblant. Pourquoi l'as-tu Ezine, tué? Arrête. Pourquoi l'as-tu arrête tué? Je ne l'ai pas tué, Chinwe. Arrête. Je ne l'ai pas tué. Arrête. Je ne l'ai pas tué, Chinwe. Arrête. Tous les habitants du royaume d'Ameti doivent apprendre ça. Oui. Ils doivent être au courant. Je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer à tout le monde. Je n'ai pas tué, Chinwe. Je ne l'ai pas tué. Chinwe. Chinwe. Tu es stupide. Ne sais-tu pas que dans cette forêt maléfique, on n'écrit pas le nom des gens comme ça? Je ne l'ai pas tué, Chinwe. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Chinwe. Chinwe. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Chinwe, où étais-tu? Elle m'a accusé de t'avoir tué. Où j'étais? Qui? Qui t'a accusé? Toutes les deux. Chinwe, bienvenue. Dégage de là. Qui m'a tué? Je ressemble à quelqu'un qu'on tue comme ça. D'où est-ce que ça sort? Ok, c'est votre plan. Donc je suis en vie et vous... Vous dites que Betty m'a tué et vous pleurez déjà, hein? Si je me mène nu devant vous trois, si je me mène nu pour vous maudire, hein? Je ressemble à quelqu'un qu'on peut tuer? Non, regardez-moi bien. À cause de vous, Tinwa énervée, hein?
Ah, Izuna. Izuna, mon fils. Jusqu'à quand continueras-tu à faire ça? Aussi longtemps qu'Iwoma restera dans cette forêt, je ne vais pas manger dans Oh, Izuna. Izuna, mon enfant, tu es mon fils unique. Tu sais très bien que tes sœurs et toi êtes tout ce que j'ai dans cette vie depuis que votre père est mort. Hein? S'il te plaît, mon fils. Il ne faut pas te suicider juste pour une simple femme, s'il te plaît. Maman, ce n'est pas une simple femme. Hey! L'amour de ma vie. La femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Et hey! Ikuma et toi, vous deviez vraiment comprendre cela. Ochukoko Kabiyama. Chukoko Kabiyama. Pitié. Je t'en prie, touche le cœur de mon fils. Touche son cœur pour qu'il puisse au moins manger quelque chose. Je lui ai demandé de me suivre. Je lui ai demandé de me suivre, mais elle ne m'a pas écouté. Regarde, est-ce que c'est comme ça que nous allons toutes mourir? Je veux dire, nous étions sept au départ. Maintenant, nous ne sommes que trois. Ma mère m'a prévenu. Ma mère m'a prévenu. Elle m'a averti de ne pas venir ici, mais je n'ai pas écouté. J'ai refusé d'écouter simplement à cause de mon amour pour le prince. Maintenant, regardez-moi. Ezine, tu dis quoi? À cause de ton amour pour le prince? Mais oui. Comment? Ah bon? Tu crois que tu es la seule personne à aimer les bonnes choses? Pardon. Ezine, tu me surprends. Je croyais que tu étais mon amie. Et alors? Et alors? Tu convoitais le prince. Tu convoitais mon mec et je ne le savais même pas. Oh, parce que je suis ton amie? Tu mérites la part du lion pendant que je mange les restes, c'est ça? Ezine, donc tu faisais semblant tout ce temps sans savoir que tu convoitais mon homme. Ton homme comment? Qui a fait de lui ton homme? Le prince est à moi. Qui a fait de lui ton homme? Dis-moi, qui t'a dit qu'il est à toi? Parce qu'il a des vues sur moi. Hey! Les gens savent se voiler les yeux. Pardon, ne tente même pas de dire ça. Ne commence pas, parce que je n'ai pas de temps pour toi. Tu me grondes là ou quoi? Oui, bien pardon, sûr. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a amené. Mon âme veut. À cause de mon amour pour le prince. Est-ce même possible? Le prince ne te regarde même pas. Il t'a regardé. S'il vous plaît. Écoute, je vais te battre et comme le plâtre ici. Pour l'amour de Dieu, arrêtez. Tu vas faire quoi? Ezine. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu me cries dessus? Est-ce à moi que tu parles? Bien sûr que si. Oh, tu vas me tenter. Bien. Traverse cette ligne, je traverse. Ezine. Arrête là-haut. Arrête là. Regarde-toi. Vous pouvez cesser de vous comporter comme des gamines et faire ce pourquoi nous sommes là. Gamines? Hein? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles comme ça aux gamines? Arrête avec tes bêtises. Sinon, je vais te boxer maintenant. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire du tout. Je vais utiliser ton sabre pour t'abattre ici maintenant. Tu ne vas rien faire. Vous deux là, je vais vous massacrer ici. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire du tout. Je vais te massacrer. Je vais. Tu ne vas rien faire. Pardon. Désolé. Pardon. Désolé. Thank you.
Chinwe. Ah. Chinwe, donc, c'est ici que tu es et on m'a accusé de t'avoir tué. Chinwe. Mais t'arrête. Ce n'est pas Chinwe. Souviens-toi de la rencontre qu'on a faite tout à l'heure. Écoute, c'est un fantôme. Hein? La Chinwe qu'on connaît est déjà morte, ce n'est pas Chinwe. C'est toi le fantôme, c'est toi qui es morte. C'est toi le fantôme morte. Ah. Calmez-vous les filles, je vais tirer ça au clair. Rassure-toi d'abord avant d'aller l'embrasser et disparaître. Merci. Oh. Betty. C'est Chinwe. Chinwe. Qui est morte? Toi. Hein? Non, tu n'es pas morte. C'est toi qui es morte. Tu n'es pas morte. Ah, tu n'es jamais sérieuse. C'est toi qui es morte. Ah, écoutez, je suis ici depuis. J'ai vu cette fumée qui montait. La famine me dérange. Depuis, je veux ramasser cette eau, mais je n'arrive pas. Et il y a comment de l'eau ça dedans. Tu n'as pas pu puiser de l'eau? Je ne comprends pas. Hein? Allez, viens. Ramasse. Viens essayer. Mm-hmm. Madame King Kong. Que veux-tu dire? Ça ne peut pas me dépasser. Tu vois l'eau à l'intérieur, oui, non? Oui, ça veut dire quoi? Tu n'arrives pas Madame à puiser. Madame King Kong. Hey, c'est vrai, oh. Que veux-tu dire par c'est vrai? Attends. Ah. Donne-moi ça. Moi, je vais fuir. Fuir pour aller où? Je vais fuir. Ne touchez pas ça, oh. Vous savez que rien dans cette forêt maléfique n'est réel. Tu n'es pas censé boire cette eau. Tu... Ne touche pas cette eau. Hey, aucun mortel n'a la permission de puiser de cette eau. Car si vous le faites, vous mourrez aussi. Soyez les bienvenus au royaume des morts vivants, fille du lâche Tamichi. C'est ta mère? Oui, maman. Désolée, maman. Betty, fille de Nowu. Et toi, tu es Ezine. Hein? Écoute. Steph. Et ici, c'est Chinwe. Oui, maman, c'est moi. Elle connaît nos noms. Vous toutes ici êtes à la recherche de la bague spéciale. Oui, maman. Avec laquelle votre reine pourra retrouver la santé. Et votre mission sera un succès. Chinwe, Chinwe. Une main mortelle a touché mon œil. Remets-lui son œil. Remets mon œil dans ma main. Remets-le-moi. Je ne donne pas. Mm-hmm. Jusqu'à ce que tu nous montres la route. Ah ah. Tu as un œil sur le front et tu as l'autre en main. Tu es l'esprit des yeux. Hein? Ah oui, elles ont raison. Je vous montrerai. Mais d'abord, remets-moi mon œil. Pas tant que tu ne nous montres pas. Oui. Donne-moi mon œil. Maman, j'aime cet œil. Chinwe, remets-lui son œil. Maman. Remets-le-moi. Chinwe. Remets-lui. Je ne veux pas disparaître trop. Thank you.
Donne-moi mon œil. Donne-moi mon œil. Non. Jusqu'à ce que tu nous montres la route. Tu as des yeux partout, donc tu connais la route. Montre-nous la route et je vais te remettre ton œil. Ah, donne-moi mon œil. Ça fait des jours qu'Iwoma et les autres filles ont fait ce voyage. Et personne n'est de retour. Je suis très inquiet. Hein? Mon ami, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je sais que tu es préoccupé par ta femme, Iwoma. Mais tu devrais également penser aux autres filles. Je vais te rafraîchir la mémoire en te rappelant ce que la prêtresse a dit. Elle a dit que ce voyage ne sera pas de tout repos. Garde toujours cela en tête. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens. Je pense à aller les chercher là-bas. Arrête de penser à ça. Oui. C'est moi que tu blagues. Je suis très sérieux. Je t'en prie, arrête de réfléchir. Mets cela amoureux. Elles reviendront, ok? Calme-toi, tout ira bien. Mon frère, courage, tout ira bien. J'ai compris. Mais c'est l'amoureux. J'ai compris. C'est bon d'être amoureux, pas vrai? Donne-moi mon œil. Quel œil? Je ne donne pas. Donne-moi mon œil. Je ne vais pas te donner cet œil. Ici. Dans cette hutte, j'espère toutes vous retrouver. Probablement, ce voyage prendra plus de temps que prévu. Pouvez-vous trouver la bague? Pas encore, mon prince, mais vu que nous sommes arrivés ici, je suis sûre que nous allons la trouver. Exactement, mon prince. Oui, c'est vrai. Mon prince, s'il vous plaît, puis-je vous faire un câlin? Vraiment? Ma mère, la reine, est couchée là sur le point de mourir, à l'article de la mort. Tu n'as pas encore trouvé la bague. Et tu cherches un câlin? Oh, oh. Non, mon prince. Mon prince, s'il vous plaît, ça me rendrait tellement heureuse. Non, s'il vous plaît. Non, mon prince. Très bien, dans ce cas, viens prendre un câlin. Merci, mon prince. Mon prince. Tu ferais mieux de ne pas y aller, oh. Tu n'es pas sûre que ce soit... Tu n'es pas sûre. Ce n'est pas lui. Tienwe. Non. C'est le prince. Non. Je connais mon bébé. Mon prince pastèque. Ce n'est pas celui-ci. Tienwe, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Je connais mon homme. Je te dis que c'est le prince. C'est le prince. Je connais mon homme. Mon prince. Hey! Mon prince. Betty. Maman! Hey, où est Betty? Tinwe, Steph, où est Betty? Où est Betty? Je lui ai pourtant dit, de ne pas s'approcher, que cet homme n'est pas le prince. Betty est morte. Qu'allons-nous faire maintenant? Maman! Steph, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Elle a mérité. Elle n'est pas morte, mais elle est là, dans ma main. Hey. Remets-moi mon œil, et vous aurez votre amie. Que je lui donne? Tinwe, donne-lui son œil, pour qu'elle remette Betty en vie. Maman, ne me trompe pas. Donne-moi mon œil. Ok, d'accord, maman. Prends ça. Ce n'est qu'au lever du soleil qu'elle pourra redevenir normale. Au lever du jour, qu'elle soit placée sous le soleil et elle redeviendra normale.
Ne le laisse jamais tomber. Sinon, vous ne la reverrez plus jamais. Ah. Oh. Steph, va prendre ça. Ok, ok, prêtresse. Nous ferons comme tu as dit. S'il te plaît, peux-tu nous montrer où on peut trouver la bague spéciale? Vous êtes très proche de ce que vous cherchez. Mais il faut du courage et de la détermination pour la bataille finale. Heo, s'il vous plaît, rendez-nous la tâche facile. S'il vous plaît, on a déjà trop souffert. Pardon. Ce chemin vous conduira à la bague. Mais vous devez faire très, très attention à ne pas faire un mauvais choix. Ok, maman. D'accord. Merci beaucoup, prêtresse. Allons-y. Maman, si on la voit, comment est-ce qu'on saura que c'est la bague? Comment est-ce qu'on saura? La bague et les choses aux alentours vont vous convaincre que ce que vous cherchez est là. Mais vous devez attendre jusqu'au lever du soleil pour qu'elle soit des vôtres. Ok. Merci. Allons-y. Revenez, mes enfants. Je vais vous faciliter la tâche. Il y a un vent fort auprès de là où la bague se trouve. Mais quand vous y serez, cassez cet œuf pour que le vent se calme. Mais vous devez faire très très attention de ne pas faire d'erreur. Prenez-le, vous pouvez partir. Prenez-le! Vous pouvez partir. Allez-vous-en! Ok, ok. Merci, maman. Mes anciens, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Je faisais quelque chose à l'intérieur qui m'a pris assez de temps, donc je suis vraiment navré. C'est bon. Mais Mazi Obiezé n'est pas là. Oh, Obiezé n'est pas là. Mais ne vous en faites pas, nous lui rendrons compte. À la fin de la réunion, nous lui rendrons compte de tout ce qui a été dit. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, non, mon prince, tout va bien. Alors, vous m'avez demandé, je suis là maintenant. Mon cher prince, la raison de notre venue n'est pas mystérieuse. Nos filles ont mis trop de temps dans la forêt, trop de temps. Et à l'heure où nous parlons, elles ne sont pas encore entrées. Oui, il n'y a aucun signe qu'elles reviendront un jour. Et la question est, que faisons-nous maintenant? Nos différentes familles sont très inquiètes, mon prince. Je comprends ce que vous ressentez. Tout à fait naturel que vous éprouviez cela. Je veux dire, on parle là de vos différentes filles. Mais je vous exhorte d'être un peu patient. Je suis certain que vos filles reviendront toutes. Jusqu'à quand continuerons-nous à les attendre? À mon humble avis, je dirais qu'on envoie quelques guerriers pour aller les chercher. Je ne pense pas que ce sera nécessaire pour le moment. Oui, comment tu vas? Continuez, nous vous écoutons. Comme je viens de vous le dire, nous n'en sommes pas encore là. Les guerriers ne seront pas envoyés dans la forêt maléfique pour l'instant. Donnez-nous juste un tout petit peu de temps. Je suis certain qu'elles reviendront. Si je puis me permettre, avez-vous discuté de ça avec Mbelédé la prêtresse? Qu'a-t-elle dit à ce sujet? Mon prince, nous n'avons pas encore discuté de ça avec Mbelélechi la prêtresse. Parce qu'on a cru qu'il était nécessaire que nous parlions de ça avec vous d'abord. Et ensuite, nous pourrions consulter Mbelélechi. C'est ça.
Une fois de plus, désolé. Je comprends, vos différentes filles sont impliquées, mais... Tout à fait naturel pour des parents d'éprouver ce que vous ressentez en ce moment. Mais, s'il vous plaît, faisons preuve de patience. Pourrais-je dire à mes gardes de vous apporter quelque chose à boire? Ne vous dérangez pas, tout va bien pour nous. C'est bon, mon prince. Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Nous ne sommes pas là pour boire. Mes anciens, patience. Par ici. Ah. Nawao. Si on décide de rester ici, il y aura quoi? Oh. Désolée. Hey. Je n'en peux plus. Ce voyage, hein? Hey. Désolée, hein? Avance là-bas, madame. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Va comme ça. Regardez comment je suis en train de souffrir. Le truc l'a attrapé mes cheveux. Qui a tiré tes cheveux? Avance. Tu parles encore? Viens devant. Je suis fatiguée. Toutes les cordes sont seulement attachées. Hein? Oh! Mon dos me fait mal. Voilà encore ça. Voilà encore ça. Viens. Est-ce que je dois couper ça au-dessus de ta tête? Et tu n'es même pas grande. Hein? Tu n'es pas grande, mais les arbres t'arrêtent. Hein? Tu n'es même pas grande. Tu es plus grande que moi. Pardon. Oh. 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 Chimwe. Hein? Donne-moi la pierre que cette femme t'a donnée. Hmm? Pourquoi? Ne me pose pas de questions stupides. Donne-moi cette pierre. Je ne comprends pas. Tu me grondes ou quoi? Que je te donne la pierre. La vieille femme nous a regardés toutes les trois, a pris la pierre et m'a donnée. Et toi, tu veux que moi, Chinwe, je te la donne? Hein? Chinwe. Chinwe, oublie ta corpulence. Je vais te battre comme un serpent ici tout de suite. Donne-moi cette pierre. Je ne vais pas te donner. Je ne te donne pas. Je te connais. Tu utilises les pierres maintenant. Que je prenne la pierre, je te donne. Tu penses que tu es sage? Steph, laisse-la tenir la pierre pour éviter cet échange de mots. Pardon. Je suis votre commandant ici. Alors, donne-moi la pierre. Quel commandant? C'est moi qui dois tenir la pierre. Dis-lui, Ezine, dis-lui. Parce qu'écoute, si je me fâche, je vais t'arracher la gorge. Tu comprends? Je vais manger ta gorge. Et il faut arrêter d'ouvrir les yeux comme ça. Parce que si tu les ouvres trop, les mouches vont entrer. Tu comprends? Tu pleures ou bien tu souris? Chinwe. Chinwe. Non. Chinwe. Voilà. Mais maintenant que vous êtes posé, allons-y. Où est-ce que tu vas même d'abord? On part. Elle veut se battre. La route. Je ne suis pas ici pour bagarrer. Je ne suis pas là pour bagarrer. C'est la bague qui m'a amené ici. Que je prenne la pierre, je te donne. Chinwe, laisse-moi. La route. Je ne sais pas où on va, mais vous devez me suivre. Suivez-moi et arrêtez toutes les disputes que vous faites là. J'ai l'air d'une idiote. Oh. La pierre qu'on m'a donnée, que je te la donne. Chinwe, je suis ton commandant. Hein? Quel genre de commandant?
de la brousse. Stéphane Retza. Elle est le commandant de police. Le commandant est dans un bureau et non dans la forêt. Commandant de la forêt. Je n'aime pas ça. Toi, avance. Tu es là à te plaindre. Attends. Regarde. Que je prenne la pierre, je te donne. Commandant. Maman. Oh. Attends. Coupe ça. Voilà. Allons-y. Commandant, maman. Chiwi, attends. Maintenant qu'elles sont toutes endormies, c'est l'occasion pour moi de tuer cette idiote. Oui. Betty, désolée de devoir faire ça. C'est pour te montrer que je suis clairement ta supérieure. Bon voyage au royaume des morts. Et qui es-tu pour me dire quoi faire? Non, je refuse. Pourquoi tu me laisses ici? Viens. Je vais la ramener. Pardon, regarde. D'accord.
D'accord. Stella, je ne dors pas. Je n'ai pas sommeil. Oui. Pourquoi tu réponds vite comme ça? Tu es sûre que ça va? Oui, je vais bien. Rien, je vais bien. Je vais très bien. Tu es sûre? Je vais bien. Tu es sûr? Je vais bien. Chez Wader, je vais bien. Écoutez, hein, si vous voulez mon avis, je dirais qu'on perd notre temps ici. Oui, nous perdons notre temps à attendre une expérience d'une vieille femme dont nous doutons l'existence. Je ne comprends pas. C'est quoi tout ce gros français que tu parles? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que Betty est morte et disparue. C'est si évident. Oui, c'est évident. Continuons notre voyage. N'oubliez pas, tout le monde dans le royaume d'Améthy attend notre retour. C'est évident. Steph. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Steph. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Betty est morte? Qui t'a dit ça? N'est-ce pas évident? Elle n'est pas morte. N'est-ce pas évident? C'est toi, qui est évident. Depuis, au lieu d'attendre un caillou de rien du tout. Betty n'est pas morte. Chinua raison. Elle n'est pas morte. Attendons. Madame raison. Qu'elle revienne à la normale. Madame Lézard, tout le temps. Ceci est vrai, elle a raison. Un jour, quelqu'un va dire, on doit mourir, tu vas dire oui, tu as raison. Dis ta part. Suggère ta part. Que vais-je dire quand tu as dit ce que je pense? On est dans ta tête. Qui a dit? Qui a dit ta pensée? Tu ne peux pas dire ta part. Hey! 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 Vous voyez? Betty? Betty, tu es de retour. Que m'est-il arrivé? Où est-ce que j'étais? C'est une longue histoire, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es revenue. Allons-y. Tu as embrassé le prince, tu as disparu. Un simple câlin. De quoi est-ce qu'elle parle? Comment tu reviens en blanche? J'ai tué un moustique. Écoute, on a un très long voyage qui nous attend, donc allons-y maintenant. Continuons. Allons-y. Tu ne bouges pas. C'est la vraie Betty et je le sais. Alors arrête ça. Betty, je sais que tu es réelle. Aide-moi donc à me relever. Petite nature, toujours en train de tomber. Betty. Elle a raison. Betty. Betty? Betty?
tu penses que tu es sage. Toi, tu as suivi mon prince pastèque et tu as disparu. Vous avez fait quoi? De quoi est-ce qu'elle est en train de parler? Tu reviens et tu nous demandes où tu étais. Donc, tu ne sais pas où tu étais? Nous sommes stupides, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ne fais pas attention à elle. Nous avons un très long voyage devant nous. Alors prends ton bouclier et ton épée. Allons-y. Betty, pourquoi mon corps est tout blanc? Que s'est-il passé? Betty, oublie tout ça. Tu es revenue. Betty? Tu es revenue pour de bon. Il t'embrassait? En fait, je ne connais pas la route. Mais la vieille dame a dit que cette route mène au lieu où on trouvera la bague. Donc, allons-y. Suivez-moi. Allons-y. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider, non? Laisse-moi, je suis fâchée. Elle a suivi mon homme et a disparu. Je ne peux même pas t'aider, tu es trop grasse. Laisse-moi. Quand même. Grosse. Je suis le rêve du prince. Je suis la femme du prince, je vais vous choquer. Tu dis que tu ne sais pas où tu étais. Tu allais embrasser mon... Il fallait disparaître. Maman, attends. Tu vois le prince, tu le suis, tu disparais. Pourquoi ne pas avoir suivi la vieille femme? Tu es allé embrasser jusqu'à rentrer et tu demandes où tu étais. Bon ça. Tu reviens, tu dis, où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais? Tu ne sais pas où tu étais. Tu connais seulement disparaître avec mon prince. Maintenant, tu demandes où tu étais. J'ai entendu les anciens suggérer au prince que les guerriers iront dans la forêt des morts-vivants. Pourquoi faire? Pour ramener les filles, bien sûr. N'avez-vous pas remarqué qu'elles y sont depuis? Dans cette soi-disant forêt de morts-vivants. Bien sûr que nous l'avons remarqué. Je suis d'accord avec l'idée des anciens. Vraiment? Oui, qu'ils ramènent toutes les filles, surtout la fille de Ono. Je l'apprécie beaucoup. C'est mon modèle. En fait, j'aimerais être comme elle quand je serai adulte. Je l'aime bien moi aussi, oh. Elle est vraiment super belle. Mais je ne sais pas pourquoi le prince n'envisage pas de faire d'elle la future reine de ce royaume. Au vu de sa beauté, elle est... Pouvez-vous elle... juste... Chut! Le prince! Bonjour, mon prince. Que fais-tu ici, Cindy? Rien, mon prince. Rien? Tu supposais être en train de prendre soin de ma mère? Oui, mon prince. J'y vais. Dépêche-toi. Et vous également retournez à vos postes. D'accord, mon prince. D'ici. Steph, lève-toi. Lève-toi. Reste là à faire ha-ha-ha. Partons d'ici. Partons d'ici, s'il vous plaît. Partons d'ici. Hey.
Maman? 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 Allons-y, suis-moi. Surveille nos arrières. Allez, avance, avance. Attendez-moi. C'est quoi, c'est hein? Tu n'es même pas forte. Tu passes ton temps à dire que je ne suis pas forte. Mais les dieux m'ont choisi pour venir ici. Ils t'ont choisi, pourquoi tu as dit oui? Hein? Ils t'ont choisi, il fallait dire non. Je suis forte et je le sais. Chercher des feuilles. Je reviens. Dépêchez-vous. Attends. Dépêchez-vous. Désolée. David. D'accord. Désolée. Désolée. Dépêche-toi. Oh. Désolée. Tinoué. Dépêche-toi, non. Attends. Qu'est-ce que tu cherches encore? Si tu ne peux pas recule. Le mettre, donne-les-moi. Petit, désolé, petit. Attends. Attends. Désolée, merci. Écoutez, hein, on n'a plus assez de temps de notre côté, sérieusement. J'ai le pressentiment que la bague est quelque part ici. Cherchons juste, ok?
Oui. Oui, je le pense aussi. Dans ce cas, dispersons-nous. Nous devons nous séparer. J'irai par là. Ok. Petit. Oui. De quel côté vas-tu? Je vais par là. Je vais te suivre. Mm-hmm. Et tu dois suivre. Tu ne suggères jamais. Suggère ta part. Es-tu obligé de la suivre? Nous ne sommes que suivre. Quatre. Croisons-nous comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tu veux la suivre? C'est bon, j'irai par là. N'importe quoi. Ok, Chinwe. De quel côté vas-tu aller? Là où mon ventre pointe, c'est où je vais. Ok, donc tu vas par là. Mon ventre pointe par là, tu ne vois pas? Ok. Ok. Chinwe, aide-moi. Cherchez bien, cherchez bien. Désolée. C'est pour ça que je voulais venir avec toi. C'était juste pour pouvoir m'occuper de toi. Ne t'en fais pas. J'ai les yeux au sol. Allez, vas-y. Attends. Est-ce que je pars? Maman? Ah!
Je voulais juste demander. C'est bien toi? Ne tourne pas. Ne tourne pas pour moi. Je suis morte. Ne te fâche pas. Ok. Ogogo! Maman! Maman Ogogo! Si c'est la bague ici, montre-moi! Montre-moi! Merci, maman. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Steph, Betty, Ezine, je l'ai trouvé. N'est-ce pas la voix de Chinwe? C'est Chinwe. Allons voir, allons la retrouver. J'ai trouvé la bague. Hein? Hey, oui. Tu as trouvé? Tu as trouvé la bague? Chinwe, tu l'as trouvée? Chinwe, Chinwe, Chinwe. Oh Seigneur. Chinwe, tu as. Chinwe. Tu as trouvé la bague? J'ai trouvé. Chinwe, tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée. Chinwe, 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 Chinwe. La bague? Chinwe a retrouvé la bague. Non, 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 non. Chinwe, 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 Chinwe. Oui, oui, oh. Je l'ai trouvée. Elle a retrouvé la bague. Elle a retrouvé la bague que nous avons cherchée dans toute la forêt. Je l'ai trouvée. Oui, je vous avais dit que c'est moi la forêt. Donc c'est dans moi que vous cherchez depuis. Oui. Forêt hein? Chinwe. Appelez-moi Forêt Chinwe. Forêt Chinwe. Forêt Chinwe. Je suis très contente. Maintenant, on peut avoir la paix du cœur. Je vais aller reposer en paix dans les bras de mon prince pastèque. C'est moi. Mon doux prince. Chinwe, hein? Je suis très contente que tu aies trouvé la bague. Moi aussi. Moi aussi, je suis contente. Ah, dis quelque chose. La bague. Regarde, je l'ai trouvée. Assez de ces réjouissances. Rentrons directement au village. Oui. Le voyage qui nous attend est très long. Allons-y. Pour une première fois, elle a raison. Je veux bien qu'on reste ici, mais il faut qu'on retourne au village pendant qu'il est encore temps. Tu as raison, tu as raison. Ah, Chinwe, montre-nous la route. Ah, Chinwe. C'est moi qui montre la route maintenant. Oui, oh. Chinwe, Chinwe, tu dois nous montrer. Chinwe. Ahmed, il saura que nous sommes rentrés et nous avons trouvé la route. Chinwe. Montre-nous la route. Appelez-moi Forêt Chinwe. 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 J'ai réussi. Forêt Chinwe. J'ai accompli ma destinée. Ah. Hey. Destinée. Enfin, Chinwe. J'ai accompli ma... Forêt Chinwe. C'est moi qui vais vous montrer la route maintenant. Attendez. Allez par là. Allez par là. De ce côté. Mm-hmm. Revenez. C'est de ce côté. Appelez-moi Forêt Chinwe. Chinwe, la quête est finie. La quête est finie. C'est toi, Chinwe? Je suis contente pour toi, non?
Hey. Après toute notre souffrance, cette grosse folle va devenir la reine d'Améti. Jamais je ne laisserai cela arriver. Elle ne pourra jamais être la reine du royaume d'Améti alors que je suis en vie. Les filles, j'ai envie de faire pipi. Je dois aller me soulager. Ok, mais tu dois te dépêcher. Tu sais qu'on a un très long voyage devant nous. Oui, je sais, je ne mettrai pas long. Okay. Ezine, s'il te plaît, accompagne-moi. S'il te plaît. Elle a raison. S'il te plaît, je vais pisser ici. Arrête haut. Ça, ma vessie est remplie. Ah, arrête ça. Allons-y. Ok, après toi. Les filles, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Tout de suite. Les filles, attendez. Tu as raison. Arrête. Ezine est toujours d'accord avec tout le monde, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu disais non. Vouloir te soulager. Baisse la voix. Baisse la voix. Je t'ai amené ici pour qu'on fasse un plan. Un plan? Un plan pourquoi? Il est évident que c'est Shinwei qui va récolter après toutes nos souffrances. Nous avons failli perdre nos vies. En fait, je pensais la même chose. Mais soyons réalistes. Il est évident qu'on ne peut rien faire. Elle a vu la bague avant nous. Donc, laissons les choses être comme elles devraient. Il y a certainement quelque chose à faire pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais. Je ne veux pas. Papa, non. Ne compte pas sur moi. Donc, tiens-moi. Non. Ezine. J'ai dit non. Je ne peux pas participer. As-tu arrêté d'agir comme une gamine? Arrête d'agir comme une enfant. J'ai dit que je refuse. Pardon. Écoute, sais-tu qui sera la reine si on retourne au village avec la bague? Pense-y. Pense. Pense comme une femme, pense. Veux-tu vraiment la laisser gagner? Tu as raison. Ok. Là, tu parles bien. Allons-y. Eh oui. Ah. Noao. Depuis qu'elle pisse? Peut-être qu'elles sont allées faire popo ou déféquer. Tu aimes trop le gros français. Déféquer, c'est quoi? Ok, peut-être qu'elles sont allées chier. Voilà. Quand tu parles comme ça, ce n'est pas bien. Tu ne sais pas que chier est différent de déféquer? Quand tu chies, ça fait procoto, procoto, procoto. Tu comprends? Mais déféquer, c'est tom, tom. Chinwe, laisse-moi, pardon. Tu sais, chier en brousse, c'est trop bien. Le vent passe partout là-bas. N'est-ce pas? Ah, elles arrivent. Il y a eu quoi? Vous vous êtes purgé? Non. C'est bon maintenant, allons-y. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant. D'accord. Allons-y. Okay. Tu as raison. Désolée, hein? Oui. J'ai juste un peu mal. Tout le temps en train de... Attendez. Venez m'aider. C'est moi qui dirige. Aïe. Fais attention. C'est toi qui n'es pas grande, mais c'est toi qui te blesses toujours. Aïe. Attends, laisse-moi t'aider. Tu risques de tomber.
Merci, maman. Si je ne coupe pas ça maintenant, tu vas tomber. Oui, maman. Maman vient, non? Steph? Quoi? Quoi? Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi quoi? Hein? Pourquoi quoi? Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi quoi? Ezine et même toi? Oui, bien sûr. Betty, Chinwe, crois-tu que nous sommes folles? Tu crois que nous sommes assez idiotes pour te laisser jouir de ce dont pourquoi nous avons souffert? Hein? Jamais! Jamais! Maintenant, donne-moi la bague. Oui, remets-nous la bague. Hein? Donne-nous la bague. Remets-nous la bague. Écoutez, écoutez, je n'ai pas peur des cris. Je n'ai pas peur de vous. Si vous vous approchez de moi... Chiwe, donne-moi la bague maintenant. Tu ferais mieux de lui remettre la bague. La bague! Tu perds patience. Donne-moi cette bague. Je vais t'aider à la retrouver. Si tu l'as perdue, je vais te la redonner. Oui. La bague! D'accord. D'accord. Vite! Très bien. J'ai compris. Désolée, tu refusais de tempérer d'abord. Désolée. La bague. Désolée. Laissez-moi juste enlever ce truc. Je vais vous la donner. Ezine, qu'est-ce que tu fais derrière moi? Laisse pencher. Pourquoi es-tu derrière moi? Je suis chinois. Hein? Désolée. Désolée toi-même. Tu dois aller par là pour chercher Chinwe. Et moi par là. Ok. Mais j'espère ne pas me perdre. Tu ne te perdras pas. Va par là et moi par ici. Et si je fais... Si tu fais, le serpent viendra te mordre. Va par là-bas. Pars. Ne me fais pas te chercher partout. Je ne veux pas. Va par là-bas, paresseuse. Espèce de grosse peureuse. Thank you.
Steph. Steph, elle est morte. Elle est morte. Steph. La grande stratège. Maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi d'autre si ce n'est de rentrer au village? En retournant royaume d'Améti avec la bague, avec la toute puissante bague. On y va. Mais avant, donne-moi la bague. Pourquoi? Je dois la garder. Non! Comment puis-je te donner la bague quand je suis encore là? T'es pas sérieuse. Ezine, calme-toi. Je te comprends, je connais tes craintes. Ok, t'en fais pas, on fera un partage équitable. Tout ce que je gagnerai, on partagera 50-50. On fera 50-50. N'aie pas peur. Tu es sûre? Fais-moi confiance. Je te connais, Steph. Je te connais. Steph, ne joue pas avec moi. Ok. Marche devant. Quoi? Marche devant. Après toi. Après moi, c'est ça? D'accord. Améti! Je rentre avec la bague. On arrive avec la bague. Oui. Avance. Voici un ruisseau. Pardon, j'ai très soif. Allons y boire de l'eau. Non. C'est le ruisseau d'Ari. Le ruisseau maléfique des mauvais esprits. Aucun mortel ne doit boire son eau. C'est ce que mon père... Non. Ton père ne t'a pas dit la vérité. Le ruisseau d'Ari est un ruisseau maléfique. Situé dans la forêt maléfique. Et on a quitté la forêt maléfique il y a très longtemps. Ça, c'est Miridou. L'eau de la vie. C'est le ruisseau qui sépare le village d'Oumouéme de notre village. Les villageois d'Oumouéme viennent dans ce ruisseau pour puiser de l'eau. Même les gens de notre village viennent ici pour puiser de l'eau parce que c'est une eau pure. Oui, c'est un ruisseau d'eau pure. Allons boire cette eau, s'il te plaît, j'ai très soif. Steph, qu'est-ce que... Oui, très très sûr. J'ai très soif. Moi aussi, j'ai très soif. Tu ne vois pas comment je suis irritée, j'ai besoin de boire de l'eau. Allons boire. Ok, allons boire. C'est Miridou. On va bien boire, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Vraiment fatiguée. Ok. Je m'appelle Stéphanie, la fille d'Ichio Biaisé. Elle se croyait toute intelligente, mais je suis plus intelligente. Et voici la future reine du royaume d'Améti. Voilà comment je vais marcher quand je vais enfin accéder au trône du royaume d'Améti. Maman! 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 Continue le travail. Stéphanie est de retour. Eh wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Va dire au prince qu'elle est rentrée. Ok. Je la ramène à la maison. Vas-y!
Sois la bienvenue. Bienvenue, ma fille. Où sont les autres? Elles sont toutes mortes dans la forêt maléfique. Je suis la seule qui a survécu. C'est vraiment très triste. C'est pas grave. Allez, laisse-moi t'aider. Désolée, désolée. Vas-y, doucement. Tu es très forte, allez, vas-y. Oui, merci, j'ai soif. Allez, du courage, vas-y. On arrive à la maison. Eh bien, mon prince. Je vous salue, mon prince. Qu'allons nous faire maintenant qu'elles ne sont pas revenues? Avec les anciens, je n'aurai pas d'autres options que d'envoyer nos guerriers dans la forêt maléfique pour sauver les filles. C'est une bonne idée, mon prince. Mon prince! Stop! Sa Majesté. Parle! Mon prince, Stéphanie, l'une des filles qui est allée à la quête est de retour. Stéphanie est rentrée? Oui, mon prince. Tu l'as vu? Oui, mon prince. Temple! Oui, mon prince. Garde! Va dire aux anciens, la prêtresse, de venir ici immédiatement. Allez, vas-y, 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 vas-y. Temple! Mon prince. Stéphanie est rentrée! Oui, mon prince. C'est une bonne nouvelle, mon prince. Une excellente nouvelle! Que les dieux soient loués. J'espère qu'elle est rentrée avec la bague de la vie. Je l'espère aussi, mon prince. Je l'espère vraiment. Je l'espère. Donne-moi la bague. Amenez-moi chez la reine. Onowu, viens avec nous, tandis que les autres nous attendent ici. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. C'est quoi le problème? Qu'y a-t-il? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Demande ce qui ne va pas! Et qu'y a-t-il? Ta fille est là. Voilà ta fille. Ma fille. Hé! Thank you.
C'est une fausse bague. Hey! Non, 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 non. Comment as-tu osé? Comment as-tu essayé de me tromper dans mon propre royaume? As-tu perdu la raison? Pourquoi as-tu apporté cette fausse bague? Prince, c'est la vraie bague. C'est la vraie bague. C'est la vraie bague. Moi-même, je... Et pourquoi n'a-t-elle pas ramené ma mère à la vie? Non, j'ai lutté avec les mauvais esprits dans la forêt pour avoir cette bague. Sauvez votre mère, la reine. Arrêtez! Arrêtez! Je croyais que tu disais que tout le monde était décédé! Saint-Esprit! Oh, je ne suis pas morte. Tu n'es pas morte. Je ne suis pas morte. Mon prince, je l'ai vu trébucher sur la route. C'est pourquoi je l'ai amené jusqu'ici. Merci, tu es quelqu'un de noble. Elle veut parler. C'est moi qui ai la vraie bague. Où est-elle? Venez avec moi. Garde! Saisissez-vous de cette sorcière! J'ai ramené la vraie bague. Le commencement. La fin. Le commencement. La fin. Le commencement. La fin. Le commencement. La fin. La résurrection. La vie. La résurrection. La vie. La résurrection. La vie. Majesté! Votre Majesté! Mon fils! Que m'est-il arrivé? Tu es revenu à la vie! Tu es revenu à la vie! Votre Majesté! Vous êtes de retour et en santé une fois de plus! Que les dieux soient loués! Oh, merci infiniment aux dieux! Oh non! Votre Majesté! Que m'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Le prince va vous narrer toute l'histoire, le moment venu. Belédé. Maman. Tu es là, toi aussi. Tu poses trop de questions. L'essentiel est maintenant que tu sois revenu à la vie. Revenu à la vie! Que les dieux soient loués! Maintenant, tu es des nôtres. Tu ne nous quitteras plus jamais. Que les dieux soient loués! Les dieux sont sages. Que la gloire revienne aux dieux! Mbelede Nyedike! Mbelede
La reine est en vie. Je vais me confesser. Laissez-moi, laissez-moi. Je vais avouer. Je vais me confesser. J'ai tué Betty et Yézine. J'ai ôté Betty de mon chemin. Je l'ai poignardé. J'ai étranglé Chimwe parce qu'elle a trouvé la vraie bague. Je voulais ça, je voulais le prince pour moi toute seule. Je l'ai donc étranglé, je ne sais pas comment elle a survécu. Pitié, pardonnez-moi. Mon prince. Quand les dieux m'ont choisi pour ce voyage, j'avais peur. Parce que je savais que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai qu'un seul frère et une seule amie. Parce que je suis orphelina. Je suis donc allée pleurer chez Ogugu. Pour qu'elle me garde et me protège. Pour aller dans la forêt maléfique et revenir. Personne ne m'a vu quand j'allais là-bas. Désolée de ne pas avoir toqué avant d'entrer. Les esprits de mes ancêtres. Je suis venue supplier. Je vous en supplie. Comme je pars pour ce voyage, comme je pars pour cette quête, je me suis dit que je devais vous dire, je vous en supplie. Ce n'est pas moi qui me suis choisie, ce sont les dieux qui m'ont choisie. Mais je vous en supplie, j'ai besoin de ton pouvoir. J'ai besoin de ta protection. Tu sais que je n'ai ni père, je n'ai ni mère. Tu sais que je ne sais pas courir. Tu sais que je n'ai pas la force pour me battre, je n'ai que la bouche. S'il te plaît, protège-moi. Pour que les esprits ou les lions ne me mangent pas là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux que tu me protèges. Ogugu, je t'en supplie. Protège-moi. Je t'en supplie, c'est pour ça que je suis venue. Je suis censée aller me coiffer maintenant, mais je ne peux pas aller me coiffer sans t'avoir demandé de m'aider à y aller et à revenir. S'il te plaît, qu'on ne me mange pas dans la forêt. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je n'ai qu'un seul frère. C'est lui la personne la plus importante pour moi, s'il te plaît. Ma fille, parmi toutes les filles qui ont été choisies pour ce voyage, tu as choisi de venir chercher la face de tes ancêtres. Puisque tu es la seule qui est venue chercher la face de tes ancêtres, tu iras dans ce voyage et tu reviendras en vie. Hey, Issei! Il ne t'arrivera rien.
Ogugu guidera tes pas et te protégera tout au long de ce voyage. Je t'assignerai un esprit qui te guidera et qui te protégera durant tout ton séjour dans la forêt. J'ai parlé et il en sera ainsi. Merci. Merci. Merci, maman. Merci. Merci. C'est ce même esprit qui m'a sauvée. Qu'est-ce que je fais ici? Ta collègue a tenté de te tuer pour devenir la reine. Mais je t'avais dit, avant ce voyage, qu'Ogugu est avec toi. Prends cette bague. Je l'ai pris dans son sac, sans qu'elle le sache. Et je lui ai donné une fausse. Tu as vu cette bague la première, et personne ne te la prendra. Oui, maman. Oui, maman. Merci, maman. J'apprécie qu'Ogugu ait sauvé ma vie. Maintenant, lève-toi et rentre chez toi. Ma? Lève-toi et rentre chez toi. Oui, maman. Pars. Ils attendent de ton arrivée. Oui, maman. Oui, maman. Pars. Ma? Ok. Oui, maman. Pas. De ce côté, maman. De ce côté. T'attendre au palais. Maman, je suis fatiguée. Mes pieds me font mal. Je suis fatiguée. Je veux me reposer un peu. Mais maman, je suis fatiguée. Je vais t'aider. Pose ta main sur la mienne. Ta main sur la mienne. Pose ta main sur la mienne. Ne me tue pas, ne me croque pas. Ne me tue ta pas. Main ne me... Sur ma peau. J'entends des bruits. C'est ici qu'on me voyage, ça va. Oui! Oui! Ameshi est à quelques pas d'ici. Maintenant, parle. Dépêche-toi. Excuse-moi, maman. Dépêche-toi. Tu as dit que c'est la vraie bague ici. Pars. Oui! Oui! Oui. Oui.
Merci. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. C'est comme ça que les choses se sont passées. Nom de la famille royale. J'exprime mes regrets aux familles qui ont perdu leurs enfants. Mes condoléances les plus attristées. Je vous promets que vos familles seront compensées comme le veut la tradition. Chiwe, je te remercie beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Que les dieux de notre royaume te bénissent. Issei. Peuple d'Ameshi, c'est le moment pour moi d'honorer ma promesse. Shinwei, tu nous as ramené la bague et sauvé la vie de ma mère. À partir de ce jour, automatiquement, Shinwei, tu deviens la reine de ce royaume. Vous êtes sérieux? Viens dans mes bras. Vas-y. Tu... Ah, aïe, c'est trop beau. Oh. Shinwei, tu es maintenant mon épouse. Viens dans mes bras. Vas-y, prince, vas-y. Vas-y. Garde. Oui. Temple. Oui, mon prince. Faire résonner les tambours. Préviens tout le monde dans ce royaume de venir au palais. Il y aura des réjouissances. Ce sera l'une des plus grandes fêtes jamais organisées dans ce royaume. Merci, mon prince. Mon amour. Mon amour. J'ai honte. Ma reine pastèque. Ma jolie reine pastèque. Mon prince pastèque. Tu es tellement belle. Écoute, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de t'avoir rencontrée. Non, c'est plutôt le contraire. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, je te l'assure. Non seulement tu as sauvé la vie de ma mère, mais tu lui as redonné une nouvelle vie, je t'assure. Et... notre fils. Non, notre fille. Non, bien je sûr. Veux avoir une nous fille. Avons besoin d'un mâle. C'est un fils. Ah. C'est une fille. Waouh, j'ai l'impression qu'il donne des coups de pied. Si c'est une fille, elle va m'aider à laver les assiettes, laver les habits, laver plein de choses, aller au champ. La fille doit venir avant les garçons. Ça nous ramène là à un sujet vraiment important. Tu vois, mon amour. Ta royauté fait en sorte que tu ne puisses plus parler de langue vernaculaire, d'accord? Donc, à partir de maintenant, tu vas parler en français. Je vais te faire prendre des cours de français, d'accord? Je veux plus que tu dises que tu parles un français assez bancal, tu comprends? Donc, je veux que ma femme soit le mieux éduquée possible, d'accord? J'aime ça. Allez, français. Allez, vas-y, dis français. Français, encore français. Le français. Français. Voilà, c'est ça. Oh. Et... anglais. Le... français. Vas-y, répète, anglais. J'ai capté. Voilà, anglais. J'ai compris. Justement, tu t'en sors très bien. J'ai piégé. Dis, je l'entends.
Je l'entends. Je Allez, prie, je piège. Je répète, je l'entends. Piégé. Articule bien, j'ai je piégé. L'entends. Rassure-toi, rassure-toi. Tu es trop romantique. Oh, donc c'est ici que vous êtes tous les deux. Je vous ai cherché partout. Oh, maman, j'étais juste venue prendre de l'air frais avec mon épouse. Vraiment? Oui, bien sûr. Chiwe, tu dois te reposer pour ta visite prénatale demain. Allez, maman, va te coucher. C'est mon épouse, veux-tu aller avec elle pour l'épouser? Allez, allez-y, va. Allons-y, laisse ton mari. Hein? Que j'aille reposer oui. en paix. Non, ma chérie, tu ne peux pas te reposer en paix. Tu vas juste te reposer pour ta visite prénatale demain. Visite prénatale? Oui, ma chérie, allons-y. C'est où ça? C'est dans un hôpital où on s'occupera bien de toi. Allez, viens te reposer. Nous devons aller à l'hôpital demain, allons-y. Souffle-moi un bisou. Attrape. Allons-y, allons-y. Je t'adore, mon bébé. Je t'aime également. Pastèque adoré. Mon prince Pastèque. Où est-ce que nous allons? Allons-y, nous irons à la maternité demain. Maternité? Maternité. Ce n'est pas éternité, c'est maternité. C'est toi le docteur? Allez-y. Vas-y. Ma reine, je vais me reposer en paix. Demain, la maternité. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.